Le tango, c'était la musique des vieux réacs. Des mecs engominés qui nous engueulaient parce qu'on avait les cheveux trop longs, qui ne comprenaient strictement rien de ce qu'on était en train de faire, qui ne souhaitaient en rien s'adapter, à l'exception près de Piazzolla quand même, qui était un peu la tendance révolutionnaire en termes musicaux de cette musique. Ce qui l'a apporté, non pas à moi, mais je pense à tout le tango, c'est cette démonstration de la possibilité de pouvoir le changer. Non seulement de la possibilité de pouvoir changer le tango, mais que sans changement, le tango allait tout simplement mourir. C'est une musique populaire urbaine, et comme toutes les musiques populaires urbaines, elle a besoin de changer et d'évoluer. Et en fait, face souvent aux traditionalistes, ce que je leur dis, c'est que l'attitude la plus respectueuse que je puisse avoir envers le tango, c'est d'être totalement irrévérencieux à son égard. C'est Paris qui a joué dans l'évolution de ma musique. Déjà Paris, parce qu'on parle d'une époque où en Argentine, on vivait sous une dictature qui était d'une barbarie terrible. C'était la possibilité de faire quelque chose en liberté, tout simplement. Hein. Et le Paris de cette époque-là était une ville extrêmement ouverte à tout ce qui arrivait de l'extérieur, et particulièrement sur le terrain culturel et universitaire aussi d'ailleurs, il y avait une très grande possibilité de jouer. On est là au Théâtre de la Ville, pas loin d'ici, il y avait, je ne sais pas, 5 ou 6 clubs de jazz où on pouvait jouer, plus le trottoir de Buenos Aires qui était un lieu mythique un peu pour les Argentins où le tango était joué tous les jours. L'album s'appelle aussi Ithaca. C'est cette idée de retour vers une ville. Dans mon cas, j'ai vécu finalement plus longtemps à Paris qu'à Buenos Aires. Si retour il y a, je ne sais pas si ça a été celui de revenir en Europe parce que mes parents étaient européens, ou celui de retourner en Argentine parce que je suis argentin. Et finalement, s'il ne s'agit pas plutôt d'un retour à une ville qui est devenue une espèce de ville imaginaire que je forge et que j'invente au fur et à mesure. En Argentine, je n'ai besoin de rien expliquer. Les influences et d'où viennent ces influences, en tout cas pour tout ce qui concerne le tango, la milonga, sont évidentes, je n'ai rien à dire. D'ailleurs, je me suis surpris au premier concert en Argentine parce que j'avais l'habitude d'expliquer aux gens, jouant essentiellement en Europe, un peu d'où venait tel ou tel morceau. J'allais entamer mon explication et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur expliquer? Ils savent parfaitement de quoi je parle. C'est pas la peine de leur expliquer quoi que ce soit, quoi. Et ça change pas mal des choses. Et ce n'est pas plus facile pour autant de jouer là-bas.